Brawl Monster de moi. Y'a un mec, il a lâché un classique comme ça. Wesh mes petits youtubiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le concept que vous appréciez tant. Si je rigole, je paye. Vous avez enfin atteint le palier de like. Et c'est-à-dire que dans cette vidéo, si tu es sub et que tu me fais rire, tu gagnes 40€. Oui, oui, oui. On est là, on rend l'argent aux abonnés, comme il se le doit. Si t'apprécies ce concept, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à mettre un pouce bleu et à me dire en commentaire quelle a été la vidéo la plus drôle de cette vidéo. Et là, je le dis, 17 000 j'aime sur cette vidéo. Le prochain Si je rigole, je paye 50€. À vous de jouer, c'est maintenant, c'est parti. Juste avant que la vidéo commence, c'est pour te prévenir qu'aujourd'hui à 15h, je suis en live sur ma chaîne Twitch, Lil McQueen, pour faire un Si je rigole, la vidéo s'arrête. Donc si tu veux passer dans ma prochaine vidéo YouTube, viens maintenant sur mon live Twitch. Allez, bonne vidéo mon petit loukoum sucré au sucre. Couscous madame. Yo Ricochet, tu peux me rendre service? Là c'est mes 35 s'il vous plaît. C'est une tuerie. C'est le cas de le dire. T'as mis quoi là-dedans? Du poison pané. POV, mon cerveau pendant un contrôle de maths. T'essayes de te concentrer, tu lis 8 fois la question pour être sûr de la comprendre, mais il se passe ça dans ta tête, frère. Mec, ça va? Non. Moi, ça va. Ma meuf m'a trompé 5 fois. Après, c'est pas grave, hein. 5 fois, c'est quoi dans une vie? Imagine le nombre de jours qu'il y a dans une vie. Déjà, il y a 365 jours dans une année. Donc, si tu te fais tromper 5 fois, elle l'a peut-être fait sur 5 jours différents. Donc, en vrai, c'est rien. Pas besoin de se prendre la tête pour ça. T'enlèves 5 jours, il en reste 360 où elle t'a pas trompé. Pas grave. Bon, arrête de pleurer, écoute-moi. Appelle à Paulis. Elle t'a trompé 5 fois dans l'eau, c'est une tentative de meurtre. T'es con, quoi. Elle t'a trompé 5 fois dans l'eau, c'est une tentative de meurtre. Waouh. Ça, vraiment, c'est très fort. Bravo. Est-ce que tu aimes ta petite sœur? Oui. Plus fort. Oui. T'aimes ta petite sœur comment aussi? Ça la question. Oui, j'aime ma petite sœur. C'est lui madame, il aime les mineurs. L'enculé sa mère. Non, mais attendez, attendez. C'est un quiproquo. Eh ben voilà, c'est la 6ème fois que tu te fais tremper. Je te déteste. Oh putain. Mais après si c'est en Picardie, c'est légal frère. Mais c'était sûr. Mais en plus je préchote la blague et je me fais baiser parce qu'en fait je préchote pas la blague comme ça. Je préchote la blague de sorte à ce que ça soit pas aussi bien fait. Putain. Guilliam, sub gift tout de suite mon gourmand. Oh putain de merde. Oh putain. Ou la chute. Il a changé d'origine en même pas 10 secondes. Blackface là, c'est ban ça. Non tu dégages. Sinon je t'en colle une. Il est maintenant sénégalais. Hey. Il est passé de français à congolais. Bon, ils sont inspirés les commentaires. Il a fait peur à Bardella quand il s'est relevé. Bardella quand il a vu ses résultats. Il a fait Michael Jackson inversé. Mais elle est incroyable la musique. Si vous ambiancez dessus, vous êtes raciste. Je tiens à dire par contre. Oui, je suis raciste. T'es raciste? Oui. Hein? Ça m'a fait trop de peine. Et puis quand j'ai vu sa tête, j'ai éclaté de rire. J'irai très certainement en enfer. Purée, vraiment la chanson est bien. T'ambiances déjà dessus, toi. Moi j'ai toujours dit que j'étais raciste. OMG drama, drama Twitter, Twitter Lil McQueen, top tweet Lil McQueen, avoue qu'il est raciste, OMG, OMG, mais je peux pas être raciste les gars, j'ai toujours rêvé d'être noir, réfléchissez un peu. Moi, mon rêve inatteignable dans la vie, c'est d'être métisse et de faire des dreads. Parce que si je fais des dreads en tant que blanc, c'est de l'appropriation culturelle ou je vais ressembler à un punk à chien. Donc, je ne peux pas être raciste puisque mon rêve, c'est d'être métisse. Et en plus, c'est à faire un rime. Bon, bah, en tout cas, merci d'être venu. Bah, merci à vous, c'était cool. Bah, tu nous dis quand t'es rentré? Ouais, vous inquiétez pas, bisous. Rentre bien, Emily. Elle est cool, hein. Elle est très sympa. C'est très petit comme blague. J'ai failli me CSC. Ce genre d'humour, ça vole pas haut. Bonjour Mathéo. Docteur, mais qu'est-ce que vous faites là? Bien, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer concernant votre opération. Ah bon? Bah perso de mon côté ça va bien, même si j'ai plus de peau ça commence à cicatriser quoi. Je vous arrête tout de suite, je parle pas de votre circoncision. Ah, force à tous les gens circoncis dans le chat, on n'est pas ensemble. Team Col Roulé, est-ce que vous êtes là? Oui. Non en fait, vous manifestez pas, je veux pas savoir. Oui. Au niveau du paiement ça pose problème, ça a été refusé. Ah, ben c'est pas grave, je peux vous faire un virement la semaine prochaine au pire. Ah, ça va être compliqué parce que la semaine prochaine je suis en vacances en fait. Après docteur, on se connaît depuis longtemps, vous savez très bien que je vais vous rembourser de toute façon. C'est pas contre vous Mathéo, mais les billets d'avion sont déjà pris. Non mais attendez au pire, j'ai 10€ là sur moi. Sinon j'ai une solution, ce qu'on a découpé on le remet. Oula, commence à avoir mal. Quoi? Écoutez, on peut faire ça maintenant si vous voulez. Non mais c'est dégueulasse. Je suis désolé mais les vacances à Ibiza ne peuvent pas attendre. Si t'es un homme et que t'as regardé cette vidéo et que t'as pas mal, bah je sais pas, t'es fort mentalement ou soit je sais pas, ça t'a déjà enlevé ta beuteux, mais non c'est pas possible. Comment ça remettre le col roulé frère, une fois qu'il est enlevé tu le remets pas frère, quel enfer. Bob the building, he's a building, Bob the building, oh no.
Il a tout whipping le mec. Comment ça Bob le building frère? Comment ça Bob le building, Bob le bricoleur? Non non non, lâchez ça. Jalousie, mensonge, trahison. Le monde me dégoûte autant qu'il m'ennuie. Si seulement j'avais le pouvoir de tout changer. C'est le début d'un nouveau super-héros ça. Le mec vit dans un shonen. Hypocrisie. Fourberie. Wesh, Ryuk. Personne inscrite dans ce cahier. Bien. Meurt. Curieux. Alors, je me présente. Je suis une jeune d'amour. C'est mon cahier. Je l'ai donné. Je l'ai choisi. Les juifs. Oh, tu as pété. Mais il s'agirait d'oser. Mais quoi? Mais ça va pas la tête. Le dérapage, mais pas du tout contrôlé, frère. C'est pour essayer. J'assure. Mais comment ça? Mais... Il a fait un remake, le fils de chien, je suis mort. Et j'ai crié truc. Effacez pas ce fils de bon. C'est bien pété le bleu, le cousin. Même Ryuk, il est choqué. C'est le dieu de la mort. Allô? Oui, bonsoir, c'est le livreur à... Ah, vous êtes devant? Non, non, je suis chez moi. il a pas écrasé un clown sur la route, celui-là? Descends, descends. Il est à son prime, ce mec. Allez, je vous ouvre. Quoi faire? Comment? Pourquoi faire? Quoi faire? Pour que tu montes. Mais on n'a pas à monter, nous. Tu es livreur ou tu es pas livreur? Je suis livreur. Je suis pas alpiniste, fils de pute. Ça, c'est vrai. Après, moi, perso, tous les Uber Eats, je descends. Miskin, j'ai pas envie de les faire monter. T'as dit quoi? J'ai dit ta grand-mère, la pute, j'ai dit. Ah, tu parles mal. J'ai dit ton père. Comment il te parle? Wesh, Ryuk, je l'avais complètement oublié. T'appelles comment? Je m'appelle ta mère. Je m'appelle ton père. T'es vraiment une truite. Tu crois que t'es drôle? Je m'appelle ta grand-mère. Wesh, tout ça. Waouh, vraiment, je m'abonne à ce mec, frère. Grand dingo, il est exceptionnel. C'est trop fort. Putain. Oh là là. Fallen Knight. Juste pour te rappeler que si t'aimes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour me soutenir, car j'ai vu que vous étiez 80% pas abonnés à ma chaîne YouTube alors que vous regardez mes vidéos. Et si tu veux être le boss des boss, lâche un like, car c'est gratuit et ça me ferait trop plaisir. Merci mon petit Loukoum. Yas, en H, cite-moi un prénom qui commence par la lettre H. Harold, Hugo, pensez pas du tout à un mec avec une petite moustache de 3 cm. Mouchkat, nouch. Attaille. Mais y'a personne qui s'appelle comme ça. Écoute, attaille. Pas mal. Papa, en B, cite-moi un dessin animé qui commence par la lettre B. Bob le bricoleur. Blanche fesse et les 7 mains. Elle existe cette version? Comment ça mon ref? Ah mais les gars, je demande comme ça, c'est pour un pote. C'est un remake, ok. Genre vas-y, je regarderai par curiosité parce qu'en fait moi je suis un grand fan de films de Disney. Du coup ouais, ça m'intéresse un peu, genre pour la culture. Au pire on le regardera en stream. Papa, en N, cite-moi un fruit qui commence par la lettre N. Une orange. Nectarine. Ouais, nectarine, ça marche mieux. Nectamère. Pardon ? Nectarine. Waouh, elle était puissante celle-là. Et là, franchement, le rattrapage, il était fort. Hein. Le retour défensif du père, là, sur le temps additionnel. Et voilà tous tes Robux, caca répéteur. Mais moi, je voulais du caca. Pourquoi j'ai des Robux? Scatophile Harry, il s'agirait de doser quand même. J'ai, sinon je m'assois avec mon gros cul sur ta mère, la pute. Après, Hagrid, il s'assoit sur votre daronne, la vie, elle meurt direct. Hein. Avec tout le respect, hein. Je vais vous lire une passage de la livre du Brain Rot. Ils sont tous défoncés là, c'est Harry Potter et la poudre de perlimpinpin. Et voilà la boisson du Shaitan. La boisson du Shaitan. Hé hey Ron, il faut absolument que je te dise un truc. Ouais? Alors c'est ça? T'as décidé de manger tout le caca pour toi tout seul? Inox! Inox! Mais Inox, pendant ton absence, t'as doublé Harry Potter! Putain, j'ai craché frère tellement ça m'a choqué. Inox frère, incroyable! Il nous a réservé trop de surprises! Ok, en tout cas, hâte de voir le film quand il sortira. Hein. Que Inox, il monte Mont Everest, mais apparemment, carrément, il double Harry Potter. Salut toi. Tu sais que t'es magnifique. Que quand je te vois, j'ai une dose d'adrénaline. Ah oui, une dose d'adrénaline. Bien sûr. J'ai une dose d'adrénaline. Attention, coupé. Action, troisième prise. J'ai une dose d'adrénaline. Coupé, 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 coupé. Action, quatrième prise. Et que pour toi, ben, je serai gaucher et droitier. Comment ça? Parce que j'aurai une main dans ton cœur. Et l'autre sur tes fesses. Très vif. Très vif. Vraie disquette, ça. Non. Tape sur ses appuis. Et OV, tu croises ton ex hyper susceptible. Hey, salut, ça va? Excusez-moi, j'ai pas du tout de monnaie. Ah, mais non, mais c'est moi, c'est Marion, ton ex. Mais non. C'est toi, là? Putain, désolé, je t'ai prise pour une clocharde. Ça fait mal. T'as pas glow, hein, t'es un sac.
Franprix. Ouais. Franprix, ça va. Sac Lidl, moyen. Sac Franprix, quand même. Faut savoir que les gens qui font leurs courses à Franprix ont un pouvoir d'achat plus élevé tout de même. La classe. Ah, mais d'ailleurs, j'avais oublié un truc chez toi, non? Ah, mais oui, mais je l'ai sûrement en plus, mais je l'ai juste là. Oubliez ça, tiens. Oh, merci beaucoup. Bon, écoute, en tout cas, désolé si je suis un peu brutal, c'est ma manière de m'exprimer, tu vois. Moi aussi, j'ai toujours trouvé que t'étais un connard, donc. Je te promets que d'habitude, je suis pas du tout du genre à agresser les gens verbalement. Grosse connasse. Connard. Eh, bouffonne. Chien. Cagole. Foiré. Crevarde. Au fait, tu fais quoi ce soir? Ce soir? Tu veux ken? Bah ouais, non? Vas-y. Allez. Tout ça pour ça? Je vais péter mon crâne! Comment ça, tout ça pour ça, là? Je pensais que ça allait se battre! Non, c'est trop grave! McFun, il est sub! Eh ben, McFun! N'oubliez pas, les gars, c'est la grande finale du jeu des expressions. Ok, alors, vous êtes prêts? Je suis chaud. Eh, mec, t'as la tête qui tourne ou quoi? Oh! C'est quoi, ça? Tu devrais voir ta tête et tout blanc. Très drôle. Allez, va voir ailleurs si j'y suis. Quoi, ça te fait chier? Oh, ça pue. Je suis imbattable à ce jeu. Et ta mère... Oula, après s'il est picard, il aurait dit oui, trop chaud. Maintenant, tout de suite, j'avais trop envie en plus. Alors ? Elle a aimé. Comment ça, mon ref ? Je sais pas si tu prends ça comme un compliment ou genre comme un red flag. Bon les gars, soyez sérieux un peu, ça n'a ni queue ni tête. Oh putain, mon chibre ! Ah ! Mais ça va pas, vous êtes complètement malade. Ah punaise, je suis mort. Oh non. Incroyable. Oh, la vidéo était banger. J'ai adoré. Comment obtenir le physique à Goulou? Oula, transformation physique inversée? En vrai, pourquoi pas? Bon, écoutons le tuto, les gars, ça m'intéresse. Bon, premièrement, tu m'oublies les 4 pas dans la journée. Moi, tu parles pas de petit déj, de goûter. Pour devenir un ficello, ça se travaille. Tu as bouffé un jour sur deux en te nourrissant exclusivement de poissons crus. Bah oui. Ok. Ça c'est noté. J'aime pas trop le poisson moi après, mais vas-y. Deuxièmement, il faudra te mettre dans les conditions d'un mode vie. Tu m'oublies l'hygiène de vie, tu m'oublies la lumière du jour. Pour devenir appuyant, faut être prêt à tous les sacrifices. Ah, ça je fais déjà. Ça c'est validé pour le coup. Enfin, troisièmement, le plus important, faudra que tu te... LeBron James. Au moins 3 fois par jour. Comment... Ah, ça aussi j'ai. Comment ça, mon ref? À vous. Ok, faut que j'arrête de manger. Transformation physique, Gollum, il me reste plus que ça. Et on va cook ça tranquillement. Restez connectés les gars, la vidéo sortira dans 3 mois. Défi transformation physique. Donc là, les youtubeurs, ils deviennent musclé. On va montrer comment on peut devenir Gollum aujourd'hui. Freeze Air. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais péter mon crâne. Mais non, les vols pour aller en Turquie, c'est pas cher en ce moment, hein? Ouais, ok. Et t'as prévu de faire quoi en Turquie exactement? Ah, si j'y vais, c'est pour le tourisme, hein, tu connais? Oui, bien sûr. Oh le pire, oh le gire. Qui l'eût cru? Il maîtrise le haki des failles maintenant. Malheureusement, pas assez pour faire tomber qui que ce soit. Ça cale ici, là. Ça dit quoi, le sang? Non, il a pas fait ça quand même. Il a entamé le processus de check, tout en sachant que Gohan était dans la zone de check. Cela veut dire que je vais aussi checker Gohan. Attends, me dis pas que... Vas-y Gohan, montre-lui de quoi tu es capable. C'est quoi ce délire de check, frère? Ça y est, c'est mon prime. Je vais en faire tout le temps passer en salle de check. Mais comment ça, une salle de check? Ouais. Quel glow-up, une checkline propre et un angle de check presque parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? On est passé d'une calvas à un cours de check. Aucun doute, Gohan, tu es enfin prêt. Pour les contours soignés. C'est parti, installe-toi confortablement. Incroyable, je sens mon fils se propager dans mes... Quoi ce bordel, frère? Nous, on avait vu Son Goku Vegeta en train de pignou Freezer. Mais qu'est-ce que c'est que cet univers de fou? Mais c'est une dinguerie, frère. Brawl Monster de moi. Là, il se fait enculer. Putain, mais vraiment. Il y a un mec, il a lâché un classique comme ça. Mais en fait, j'ai pas rigolé pour son caca de merde. Son caca, il est nul. En fait, réfléchissez à l'action. Le mec, il est allé aux toilettes. Il s'est... Non, vas-y, je peux même pas expliquer. Le J. Fais chier! Et sans mauvais jeu de mots. Il y a un petit sub. Quand l'orthographe, c'est vraiment pas ton truc. Le nom d'un pays qui commence par Z. Zimbabwe. Japon. Ah. Yes, le Japon. C'est pas Japon? Japon. Ah oui, en plus elle est vraiment sûre d'elle. Mm-hmm. Ok, bah dis-moi le nom d'un animal qui commence par W. Un Wendigo? Ça existe un animal en W déjà? Un oiseau, là vous êtes fort. Oiseau. Oh la gueule du oiseau, il a eu une journée difficile. Ses enfants à la maison ils le font chier. Genre là il se lève à 8h du mat pour gagner 1002. Ah non, sa vie elle est pas folle. Dis-moi la marque d'un téléphone qui commence par A. Apple? iPhone?
Elephant, ça commence pas par A aussi, hein. Ça commence par A. Mais ok, en fait, j'ai peur qu'elle m'embrouille. Après, l'orthographe, c'est surcoté. Merde ! Quoi ? Il est minuit ! Ouais, alors ? Ah, ça serait un peu long à t'expliquer, mais il faut absolument que je parte. Mouah ! Merci encore pour le verre. Attends, tu pars pas déjà quand même ? On a même pas eu le temps de Ken. Si ! Ah, c'est vrai. Avec délire un peu de princesse, etc., c'est différent. C'est différent, c'est une autre ère. On s'adapte. Je peux vraiment pas rester. Bah, pourquoi ? Parce que... Oh, le four. J'ai oublié d'éteindre le four. Mais on est en 2024, Cendrillon. C'est plus ta tâche. Tu es une fan libre. Tu as le droit de vote. Tu n'es plus obligé de faire les tâches ménagères en 2024. Attends, t'es conne ou quoi ? T'es pas au courant qu'il faut toujours... Oh, t'as vu l'heure là ? Il faut absolument que je parte, sinon la baraque va cramer. Je vais encore me faire défoncer par la belle doche. Et comment tu t'appelles ? Mais va te faire foutre ! Mais oh, dis-moi au moins comment je peux te retrouver ! OnlyFan, au revoir. OnlyFan ? Comment ça, Cendrillon, sur OnlyFan ? Je savais pas, elle avait OnlyFan. Intéressant. Tu peux me donner ton code promo sur OnlyFan ? Il y a un code promo ? Quelqu'un le connaît, le code promo, c'est pour un pote. Mais dégagez, bande de poufias, j'en ai trouvé une plus fraîche. Oh merde, Malou Boutin ! Oh, oh non, c'est pas... Tant pis, c'est cadeau. Mademoiselle ! Mademoiselle ! Pourquoi le vieux, il est en roue libre comme ça ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Suivez cette connasse ! Waouh, tout ça, Cendrillon, ça a changé. En tout cas, ouais, Cendrillon en 2024, c'est vrai qu'on aurait peut-être Blanche-Neige et les 7 nains sur OnlyFan, on aurait peut-être Cendrillon aussi sur OnlyFan. Après, c'est pour notre plaisir tout de même. Ses pieds, ouais, vous êtes des dégénérés, ça va peut-être un peu trop loin. Déchaînement, ultra-pince ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il a adopté un pigeon ou c'est moi ? Réflexion ! Morsure ! Et la vie, c'est un roucoulis RL ! Vol ! Coup d'aile ! Mais exceptionnel, je le veux ! Retour ! Retour ! Tremblement ! Tremblement ! Pince ! Danse plus ! Aérovol ! Non mais frère, il a toutes les attaques en plus ! Mais il est au moins niveau 100 ! Charge ! Morsure ! Mais comment c'est possible, frère ? Mais donnez-moi un numéro où je peux adopter un pigeon comme ça ! Neski ! Neski ! Neski ! Attaque griffe ! Attaque... Vive attaque ! Non ! Pas les chouilles ! T'es cassé ? Oh, wesh ! Calme-toi, mec ! Je vais te remplacer ! Putain, il est cassé ! Oh ? Oui. Ouais, moi ça va, mais vous allez bien mieux que tout le monde là, que tout le monde qui habite ici. C'est vous la voisine d'à côté de chez moi ? Oula. Vous dormez aussi des fois ? Oui. Elle fait pas que dormir, c'est ça ? Moi en tout cas, des fois j'essaie de dormir. Mais j'arrive pas parce que vous faites du bruit de monde. Ah, mais elle joue à Guitar Hero ! Eh ouais ! Oui, c'est ça, c'est les travaux. Ah, c'est des travaux. Mais je comprends parce que si c'est des travaux, pourquoi des fois vous nous dites ? Arrête ! Continue, arrête ! Comment ça, mon ref ? Bah, il s'y prend mal des fois. Ah, il s'y prend mal ? Ouais. Ah, ok, c'est pour ça, un jour, ils sont venus à 4. 4 ! Ça fait beaucoup, là, non ? Mais ce qui est bien, c'est que vous êtes très respectueuse, hein. Parce que j'entends. Tout le long, toute la nuit, ouais. Vous les remerciez en faisant ça. Oh là là, sur le temps additionnel, il m'aura abattu, frère. Elle applaudit. Bah ouais, faut les récompenser, miskine. Ils se la butent, les ouvriers. La salope. Eh ouais, frère. Et voilà, c'est la fin de ce React. J'espère que t'as aimé la vidéo. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche, c'est hyper important pour me soutenir. N'oublie pas de me dire en commentaire quelle a été la vidéo la plus drôle de cette vidéo. Et comme je l'ai dit, 17 000 j'aime sur cette vidéo. Si je rigole, 50 euros. Donc à vous de jouer si vous voulez éventuellement gagner plus d'argent sur la prochaine vidéo. Et pour me partager toutes tes vidéos les plus drôles, rejoins le Discord, le lien est dans la description. En attendant, n'hésite pas à aller voir mes anciennes vidéos et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.